Le gouvernement australien, pris au dépourvu, exprime son inquiétude. Le ministre des Transports a indiqué qu'il allait déclencher une procédure d'urgence afin de mettre fin au conflit social. La chef du gouvernement a fait une déclaration. L'escalade rapide dans ce conflit, a expliqué Julia Gillard, pourrait avoir des conséquences pour notre économie nationale. Les syndicats de pilotes et du personnel au sol de Qantas s'inquiétaient déjà de la suppression annoncée de 1000 emplois. La compagnie australienne veut se concentrer avant tout sur la région Asie-Pacifique. Je suis fière d'être australienne, mais cela rend amer, réagit cette passagère. Tant de gens disent « je ne prendrai plus jamais Qantas ». C'est vraiment dommage. Je soutiens les employés car nous sommes en train de perdre notre compagnie aérienne. La décision radicale prise par la direction de Qantas sème le chaos dans 22 aéroports d'Australie. L'image de la compagnie ne peut que se dégrader un peu plus.